Bonsoir tout le monde, bienvenue dans B-World Connection, le réseau universel. Bienvenue dans ma Guadeloupe adorée, ma Guadeloupe chérie. Et vous savez, de cette Guadeloupe, nous allons aussi voyager pas mal, nous allons aller à Paris. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des inventeurs et savants noirs. Pourquoi parler des inventeurs et savants noirs ? Ça, vous le saurez avec des passionnés. Des gens qui sont passionnés par ce thème. Des gens tels que Jean-Charles Martyr de l'association Archives. Des gens tels que Jean-Philippe Omotunde qui est écrivain. Des gens tels que Martin Dior. Et d'autres encore qui vont intervenir dans cette émission. Alors restez avec nous, émission plus que jamais culturelle. B-World Connection, c'est ton émission universelle, right? Je vous avais promis que dans cette émission, nous allions à la rencontre de gens passionnés par l'histoire des inventeurs et savants noirs. Et s'il y en a qui sont passionnés, c'est bien l'association Archives, car ils sont à l'origine de ce thème en Guadeloupe et un petit peu plus loin. Ça, on le verra plus tard. Et bien, je suis avec le vice-président de l'association Archives. Je vous présente, mes chers amis, Jean-Charles Martyr Fall. Ça va, mon frère ? Ça va bien, et toi ? Oui, c'est un plaisir de faire cette émission en ta compagnie, puisqu'on se connaît depuis un bon moment maintenant, on s'est côtoyé à Radio Guadeloupe. Et moi aussi, je sais que depuis cette époque-là déjà, tu t'intéressais à l'histoire du peuple noir en général. Et il y a quelque chose qui t'intéressait aussi, c'est les inventeurs et savants noirs. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, qu'est-ce qui t'a passionné pour ce thème ? Et comment vous en êtes arrivé, vous, l'association Archives, à justement à maintenant célébrer un calendrier noir et célèbre 2005, où justement où on parle des inventeurs et savants noirs et différents hommes noirs. Eh bien, en fait, tu sais, c'est que depuis tout petit, je me suis toujours interrogé sur mon histoire, sur mes ancêtres. En faisant des recherches personnelles, déjà, j'ai constaté que notre race avait beaucoup de choses, un passé qui était assez puissant, assez riche. Et il y a un homme qui est apparu dans ma vie il y a de cela peut-être 12 ans et qui est venu me voir avec un livret bleu qui contenait quelques photocopies d'inventeurs et de savants qui étaient de couleur. Et cet homme-là, c'est le président de l'association d'ailleurs, c'est Ivan Voice. Ivan Voice. Et qui me disait donc, tiens Jean-Charles, regarde, un tel, telle chose, voilà, l'inventeur de la lumière, du feu tricolore, du masque à gaz et de bien d'autres de choses. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas garder ça pour nous. Alors, on s'est concerté ensemble, on a essayé de regarder avec un autre frère, Laurent Bamy. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a ? On a commencé d'abord par aller dans les radios, comme ça, à titre individuel, parler de ces choses-là. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Et puis après, on a dit, mais si on montait une association, est-ce que ce ne serait pas plus fort ? Et c'est ce que nous avons fait, en rencontrant un autre personnage qui lui est venu en Guadeloupe en 2000, qui s'appelle Yves Antoine, qu'on a fait venir d'ailleurs, sous couvert de notre association qui venait à peine d'émerger et de naître, en fait. On s'est dit, ben voilà, avec lui, on aura peut-être un peu plus de crédit, puisque nous étions chanteurs, nous étions animateurs, nous étions particuliers, mais il nous manquait cette crédibilité de l'ouvrage. Avec l'ouvrage d'Yves Antoine, on a dit, ben voilà, inventeur et savant noir. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à parler des inventeurs ici en Guadeloupe. Ce qui est bien, c'est que dans ce monde moderne, il n'y a pas que des galères. Il faut s'en servir aussi de la modernité et de la technique. Oui. Il y a aussi Internet. Ah, Internet. Et là, vous faites un travail aussi, puisque vous avez votre site. Absolument. Tu peux en parler, d'archives.com ? Oui, absolument. On a créé ce site il y a déjà quelques années, de manière un peu amateur au départ. On a fait avec les moyens du bord, c'est un peu normal. Ensuite, on s'est attaché les services d'un professionnel, Fred, en l'occurrence, qui est quelqu'un de très fort, qui nous a remanié la chose et qui nous a permis d'avoir un site viable. Ce site, si tu veux, depuis son ouverture officielle, je crois que c'est en août ou septembre dernier, a rencontré aussi un vif succès. Et cela nous permet, si tu veux, de faire le lien entre la Guadeloupe et la France, puisque nous avons un bureau ici en Guadeloupe et un bureau à Paris avec notre président.
Et cela nous permet surtout de recueillir toutes les informations concernant l'association, concernant les salons, les colloques, les conférences, débats, parce que nous sommes un peu sollicités de partout pour parler de l'association et surtout pour parler des inventeurs et savants noirs. Tu peux annoncer l'adresse ? Eh bien, l'adresse du site www.associationarchive.com, tout serré en petit, et c'est très facile, hein, il suffit de cliquer et on tombe sur le site. Et il y a plein de choses intéressantes que vous pourrez observer. Chaque mois, un inventeur est mis à l'honneur. Chaque semaine, on redonne un petit peu les informations des dernières dépêches, des news qui concernent un petit peu l'association. Il y a beaucoup de choses. Ici, on est au Gosier. Ouais. C'est pas un hasard. Tout à fait. Parce qu'il y a aussi un Guadeloupéen qui s'appelait Georges Nicolau et qui a aussi fait pas mal de travail. Absolument. Georges Nicolau qui nous a quittés il y a de ça 12 ans. Georges Nicolau qui est l'inventeur du système PAL-SECAM. Le système PAL-SECAM, ne serait-ce que par la télévision, eh bien, c'est à l'origine créé par Georges Nicolau qui est aussi un des concepteurs du système fibre optique qui permet d'avoir les lignes de téléphone chez soi. Et ce personnage a fait une troisième autre création qui, elle, a un aspect humanitaire assez fort, même s'il est vrai qu'il est un petit peu contesté par les écologistes. C'est l'un des premiers grands directeurs des centrales nucléaires de France. Et c'est quelqu'un qui a œuvré, qui a des diplômes, qui a fait beaucoup de choses, malheureusement méconnu ici en Guadeloupe. Et on est bien content et bien heureux et fiers, surtout d'être ici au Gosier. Je pense que cette place devrait s'appeler d'ailleurs la place Nicolau. Hein. Connaisseur, je pense qu'on n'a pratiquement aucune chance de retrouver le document. Parce que c'est vraiment compliqué. Le problème qu'on a pour arriver à retrouver, soi-disant il y a un classement informatique, il y a un classement sur fiche, et on n'arrive pas à retrouver comme par hasard le document de thèse donc de Nicolau. Donc, c'est pas normal qu'on ait à faire autant de kilomètres pour ne serait-ce que consulter la thèse quand même de Nicolau, c'est extraordinaire des choses pareilles. Ah, parce qu'il était là-dedans, d'accord. Oui, il était relié, ils sont reliés ensemble. Hein. D'accord. Ben voilà, donc on va pouvoir montrer aux gamins. Je suis heureux parce que si j'avais pas l'assurance que j'ai et la certitude que le document existe, franchement, ça fait au moins une heure et demie qu'on est là. Je pense que tout a été fait pour me dissuader de l'existence du document. Et je ne dois ça qu'à la ténacité, quoi, en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment un travail de fourmi. C'est important que les jeunes le voient. Peut-être même la famille aussi de Nicolau puisse le voir aussi. Hein, avec donc la thématique, hein, donc la première thèse. Si il m'avait été donné de savoir ça quand j'étais gamin en Guadeloupe, ben, ça m'aurait fait vraiment très plaisir. Jean-Philippe Omotunde, respect fait, et puis respect. Bienvenue dans B-World Connection. Alors, si on a décidé de se voir, c'est pour parler des inventeurs et savants noirs. Mm-hmm. Mais avant, j'aimerais que vous vous présentiez quand même à tous ceux qui nous regardent. Ben, pur produit Made in Guada, Jean-Philippe Omotunde. Hein, j'ai grandi à Guada, j'ai fait les classes là-bas. Donc maintenant, je suis chercheur en histoire et conseiller en communication. Donc le travail qui est fait maintenant, c'est d'aller interroger l'histoire pour trouver un petit peu... Ben, toute une série d'éléments qui vont nous permettre de construire l'avenir avec la jeunesse. Là, je sais que vous êtes en train de préparer justement un livre aussi sur les inventeurs et savants noirs, en compagnie de Yvan Voice et tout à fait.
l'association Archive. N'est-ce pas un peu paradoxal de devoir parler des inventions noires, puisque quand on parle des inventions, on ne dit jamais des inventions blanches, par exemple. Pourquoi en est-on arrivé à parler des inventions noires, des inventeurs noirs? Pourquoi devoir préciser? Jimmy, la question, en fait, elle est très importante. Parce que pourquoi préciser inventeur noir? Ah ben c'est l'héritage de l'histoire. C'est l'héritage de l'histoire, c'est l'histoire de la traite, c'est l'histoire coloniale, c'est l'histoire durant laquelle les philosophes des Lumières ont essayé de faire passer les Noirs pour des êtres sans intelligence. Kant disait « La nature n'a doté le nègre d'aucun sentiment qui ne s'élève au-dessus de la niaiserie ». Emmanuel Kant, dans Maladie de la tête, tout le monde vénère Kant. Mais les gars ont sorti des choses, mais des ignominies. Mais c'est incroyable, un niveau de méchanceté jamais vu jusqu'à présent dans l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai qu'on a inculqué aux Noirs partout, qu'ils étaient des êtres inférieurs et que les Noirs n'avaient absolument rien apporté à la civilisation. Et même ici en France, je dirais combien d'enseignants peuvent vous citer ne serait-ce qu'une chose qui a été inventée par un Noir. Et c'est ça le problème. Ça fait que moi, j'ai vécu ça à Guada. On va à l'école, on apprend les réalisations des Chinois, des Arabes, des Blancs, de tout le monde. Mais il y a un moment où on se dit, mais attends, mais moi, mais, et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait alors. Mais ça devient suspicieux. Mais on garde ça dans la tête, on rumine le truc, jusqu'à finalement, on devient un peu pessimiste, quoi, en fait, c'est un petit peu ça. Et bien, il faut se battre contre ça. Il faut se dire, non, si l'intelligence est universelle, c'est parce qu'il se passe quelque chose, il faut prendre son bâton de pèlerin, il faut aller chercher. Alors, pourquoi parler de savon noir, de savon blanc, de savon chinois, de savon ci? Le mieux, ce serait de parler des inventions de l'humanité. Mais le gars qui fait le livre des inventions de l'humanité, il ne met que des blancs dedans. Bon, moi, je dirais quand même une chose. Parce qu'avec Yvan, avec Archive, les courriers ont été adressés aux maisons d'édition qui font ces livres-là. On leur a remis les brevets d'invention. Hein. On n'a pas pris tous les brevets, mais au moins on a remis certains, comme Latimer par exemple. On leur a donné les éléments sur Latimer. On donne des éléments sur Niccolo. Les gens vous écrivent, ok, on a pris note, et quand ils sortent l'édition l'année d'après, ils n'ont pas intégré les documents que vous leur avez envoyés. Pour revenir aux inventions noires, beaucoup de gens qui regardent cette émission, et on les salue, mais parmi eux, il y a peut-être des gens qui sont sceptiques, qui disent « Oui, mais est-ce que c'est vrai tout ce qu'ils racontent? Comment ils peuvent le prouver? Comment fait-on donc pour prouver que tout ça existe ?» Mais c'est vrai que, je dirais parmi nous, des fois, c'est vrai qu'il y a un peu des gens qui sont un peu défaitistes. Donc ils se disent, mais monsieur rêve. Ben, il faut savoir qu'il y a un organisme, il y a un seul organisme, par exemple en France, qui est l'INPI, hein, où on se charge de déposer des brevets. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsqu'on cherche un brevet d'invention, il suffit d'aller à l'INPI. Et c'est l'INPI qui va vous redonner le document officiel, donc qui marque l'accord qui a été passé entre le gouvernement et l'individu donc, qui a inventé les choses, donc la chose en question, et qui reconnaît, c'est-à-dire la reconnaissance officielle de l'État, qui reconnaît que c'est bien lui qui a inventé. Hein. Donc c'est pour ça que lorsque je dis qu'on a inventé le feu tricolore, c'est parce que le brevet existe. C'est parce que nous avons le brevet. Lorsqu'on dit que Niccolo a mis au point, par exemple, l'électricité en utilisant pour améliorer le nucléaire civil, c'est parce qu'on a le brevet. C'est-à-dire que vous allez à l'INPI aujourd'hui, vous tapez Niccolo. Mais non seulement Niccolo a le brevet pour la France, Niccolo a le brevet pour l'Angleterre, Niccolo a le brevet pour la Belgique, pour la Suisse, c'est-à-dire la planète entière. Tous les grands pays dans ce monde-là qui utilisent l'énergie nucléaire sont obligés d'utiliser de passer par l'invention de Niccolo. C'est ça qui incroyable. Même les feux tricolores, toutes ces inventions-là, vous êtes obligé de passer par l'invention, par le propriétaire de départ qui était le noir qui a déposé le brevet. Et l'INPI à Paris et l'équivalent de l'INPI aux États-Unis, ce sont deux organismes officiels sur lesquels vous ne pouvez même pas discuter. Ça s'appelle échec et mat. Il faut dire les choses clairement, parce que là, on n'est plus dans le romantisme historique, on est dans le débat scientifique et technique. Voyez, et je trouve inadmissible, je tiens quand même à le dire, et je le dirai toujours ouvertement, je trouve totalement inadmissible le fait que j'ai été à l'école en Guadeloupe, j'ai fait toutes mes classes en Guadeloupe, je n'ai pas été à l'école pour rigoler, j'étais à l'école pour apprendre. Et on m'a jamais enseigné ce genre de choses. Et je trouve vraiment les adultes de l'époque, c'est vraiment une bande d'irresponsables. Et ça, je le dis ouvertement. Je comprends qu'on ne sache pas,
Mais moi, j'ai grandi aussi, je ne savais pas non plus. Mais j'ai été chercher parce que j'ai pas cru que les Noirs n'avaient pas pu inventer des choses. C'est totalement impossible. Donc j'ai été chercher. Et voilà pourquoi je pense que chacun de nous, moi je fais pas ça pour moi, je le fais pour tout le monde. D'ailleurs, moi-même, je compte pas. Je dis chacun de nous, on doit partir, prendre notre bâton de pèlerin et partir à la recherche d'eux. Se mettre à chercher. On a des librairies, il faut demander aux librairies de mettre en vente des ouvrages maintenant qui nous permettent d'avancer au niveau de la réflexion. Il y a toute une série de prises de conscience à faire. J'ai été dans une école en Guadeloupe, je tombe sur des élèves, en plus au Gosier, hein, qui est la ville quand même de Nicolo, des jeunes d'un collège qui me disent que « Monsieur, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi les Noirs, c'est la seule race qui n'a rien inventé ?» Au début, je me dis « C'est une plaisanterie. » Donc ça montre bien qu'à partir du moment où vous présentez dans une classe, hein, l'invention des Chinois, les inventions des Arabes, les inventions des Blancs, et vous vous arrêtez là, comme vous n'avez que des Noirs dans la classe, tous les Noirs se disent « Mais attends, et nous alors ?» Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que c'est véritablement, c'est comme si on a lâché une bombe atomique dans la tête d'un gamin. Parce que le gamin, il sort de là, il dit, mais attends, je comprends pas. On a parlé d'un tel, de Jacques, de Michel, de Christian et moi. Pourquoi moi, je fais pas partie du truc? Et c'est là que la chose commence à ruminer, là. C'est-à-dire, si vous dites, par contre, les Noirs n'ont rien inventé. Là, vous avez même arrêté la réflexion au niveau du jeune. Mais quand vous avez rien dit, c'est encore pire. Surprise que j'ai eue en venant à l'INPI la première fois, c'est que quand on a tapé, on a fait la recherche pour retrouver Nicolo, donc naturellement ça a été un petit peu compliqué, parce que quand on ne vient jamais demander une information, ben, quand on fait le traitement informatique, ben, cette information est mise de côté. Bon. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un compteur, c'est-à-dire chaque fois qu'on fait une demande d'information, il y a un compteur. Et depuis la période des années 60, sur laquelle il a fait ce dépôt de brevet, il n'y avait jamais eu une demande de consultation. Vous voyez, et donc la dame à l'INPI m'a dit, mais c'est quand même assez inconcevable de voir que, et c'est aussi surprenant, qu'aucun jeune de la Guadeloupe n'est venu chercher ce document-là. Quand on voit la valeur du document, c'est quand même un brevet d'invention. Et vous êtes le premier à venir faire la demande. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui content quand même de revenir et de faire part un petit peu, de montrer un peu comment on fait la recherche. Parce qu'il faut savoir que de la Guadeloupe, on vient sur le INPI.fr et vous avez accès au brevet de Nicolo. Donc c'est un petit peu ce qu'on verra, j'espère, par la suite. L'Institut Africa Math vous propose aujourd'hui donc un cours sur les inventions et les découvertes scientifiques dans le monde noir, donc fait par un des enseignants, donc parmi les autres, donc Jean-Philippe Omotunde, à savoir moi-même. Donc juste un petit rappel, donc il y a un renvoi d'informations donc dans le magazine donc Afrique Caraïbe Magazine, donc qui est dédié à l'histoire scientifique du monde noir, hein, c'est important, donc qui est édité par Ménébuc. Et chose importante, c'est qu'il y a le site internet donc, qui est à la disposition de tous ceux qui veulent, ben, à travers le monde, connaître donc, l'histoire d'une façon générale globale donc, des Noirs sur le plan scientifique, sur le plan des sciences humaines. Il y a aussi donc, le site donc, de l'association Archives de la Guadeloupe, donc, avec laquelle aussi nous collaborons, de manière à faire en sorte que ce site qui est spécialisé sur les inventeurs et les savants noirs puisse avoir véritablement de plus en plus de visites. Ici, Auguste Nathaniel Livingstone, vous voyez, c'est quelqu'un qui est originaire de Trinidad. Et c'est l'un des tout premiers noirs à obtenir un doctorat. Hein? Donc 1862, un des tout premiers à obtenir un doctorat, vous voyez. Pour comprendre les choses, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, c'est 1864. Non, pour comprendre le machin. Le mec obtient un doctorat en 1869. Attends, en quoi? De médecine vétérinaire, vous voyez, de l'université de Pennsylvanie. Vous voyez le machin? Non, franchement. Donc, Latimer, il est né en 1848. Vous voyez, donc, l'abolition, pour nous, c'était cette date-là. Pour lui, pas encore, parce que c'est du 164. À Chelsea, il est autodidacte. C'est quelqu'un qui maîtrisait les dessins techniques. Donc, il va être engagé dans une société pour faire du dessin technique. Et c'est lui qui va faire le dessin technique, comme il est très doué, de l'invention du téléphone de Graham Bell. Et il va se faire remarquer par Thomas Edison. Et à partir de là, voyez, il va travailler dans la société d'Edison. Et c'est là que commence le subterfuge. Parce que ce monsieur dépose le brevet de la lampe électrique en 1881
et arrive le brevet pour le filament de carbone et le support de globe pour la lampe électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit que Thomas Edison a inventé l'ampoule. Mais Thomas Edison, dans le fond, il n'a pas fait grand-chose. Par contre, encore faut-il que ça marche. Vous voyez, ça ne sert à rien d'inventer une voiture si quand tu as besoin d'avancer, tu es obligé de la soulever et d'avancer comme ça. Non, si tu as inventé une voiture, c'est que tu rentres, tu t'assieds, tu tournes la clé. Eh bien, celui qui a permis à tout le monde de rentrer, de tourner de la clé, d'avancer, c'est ce type-là. Parce que c'est lui qui a inventé le filament de carbone, qui nous éclaire encore aujourd'hui, et qui fait que l'ampoule peut briller pendant longtemps, 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 sans cramer. Washington Carver, donc c'est ce monsieur qui est là, George Washington Carver, vous voyez, il est né en 1864, donc de parents esclaves de Missouri. Il a passé un bac scientifique, vous voyez, donc lui c'est surtout l'agriculture, et il a été docteur en sciences en agronomie. On lui a décerné le prix de docteur honoris causa pour tout ce qu'il a réalisé, parce qu'on lui doit quand même, hein, il faut quand même le savoir, on lui doit le beurre, le fromage, le lait en flocons, le cirage pour chaussures, le café soluble, la poudre de tabac, la crème à raser, les adhésifs, la teinture pour le bois, le shampoing, les colorants, l'encre que vous avez dans le stylo, le vernis, enfin, toute une série de choses. Il y a près de 300 choses qu'il a inventées et, donc aux États-Unis. Ah ben, je vais vous dire une chose, ce monsieur a été décoré par le président américain, parce que c'est important quand même de le savoir. Le voilà dans son laboratoire, vous voyez, donc il travaillait aux États-Unis. Et le voilà, vous voyez, quand il vient, donc il quitte ici le président américain, donc Roosevelt, vous voyez, après avoir été décoré. C'est-à-dire que le gouvernement américain l'a remercié officiellement pour toutes les découvertes et inventions qu'il a faites. Donc, vous voyez, les flocons, on mange la purée en flocons aujourd'hui, ben, la purée en flocons, c'est lui. Benjamin Banneker, vous voyez. Donc lui, il est né en 1731. 1731, alors lui, on n'en parle même pas. Là, on voit la fin de l'esclavage avec des jumelles. Là. Bon. Et c'est quelqu'un, un jour, on lui a donné une montre, il a décortiqué la montre et il a reconstruit la montre en bois. Et après, fur et à mesure, il a commencé à construire des mécanismes de plus en plus gros. Il a fini par concevoir une horloge. Et c'est la première horloge qui sonnait à l'heure juste qui a été réalisée aux États-Unis. Et c'est quelqu'un, vous voyez, hein, il a publié ses premiers relevés astronomiques parce que c'est lui qui a fait la première fois une cabine d'observation astronomique aux États-Unis. Et alors que Thomas Jefferson, les gens comme ça, parlaient de la bêtise des Noirs, ce n'étaient pas des gens intelligents, ben lui, tous ses travaux, il les a envoyés au président américain. Pour lui dire, mais attends, qu'est-ce que tu racontes là? Mais regarde au moins ce que je fais avant de parler. Bon, mais il faut rappeler hein, qu'aux États-Unis, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'esclavage a été aboli en 1864. Mais en faisant de la recherche, on s'aperçoit qu'une loi avait été votée en 1858, hein, en 1858 par un avocat qui s'appelait Jeremiah S. Black, qui avait demandé... Hein, quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on interdise aux esclaves de déposer des brevets. Parce qu'il dit, et le gars, techniquement et juridiquement, il a raison, le brevet est un contrat officiel entre le gouvernement et le citoyen. Vu que le mec est esclave, il n'est pas citoyen, il ne peut pas signer un contrat officiel avec le gouvernement. Là où Black est un grand imbécile devant l'humanité, mais c'est quand même bien d'avoir fait cette connerie-là, c'est qu'on constate que les Noirs esclaves vont déposer des brevets maintenant. Ah ben, je vous dis une chose, les nègres, c'est vraiment des gens... Mais on ne peut pas avec les nègres. Ils sont esclaves, il faut qu'ils aillent déposer des brevets. Mais on est emmerdés avec cette race-là. Entrez. Bonjour. Bonjour. Et Jimmy. Attention à la marche. Enchantée. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Et vous? Merci de nous recevoir, ça va. Je vous en prie. Entrez. Nous sommes en compagnie de Martin Dior. Martin Dior, alors vous êtes expert comptable et pourtant vous êtes éditrice de cartes postales où vous mettez en valeur les personnages noirs.
Comment on passe d'expert comptable à cette passion pour les hommes et les femmes noirs et ensuite pour les inventeurs noirs? On passe du métier d'expert comptable au métier d'éditrice de cartes postales vraiment par passion, vous l'avez dit, et puis parce que je m'intéresse à la communauté noire. Je voudrais rendre service, faire connaître des choses, faire communiquer. Et en définitive, je suis éditrice de cartes postales, c'est pour communiquer, avant tout. La carte postale est un support. J'aurais pu choisir un autre support. Je pense que la carte postale, c'est facile, ça coûte peu cher, on peut la garder, on peut la conserver, on peut collectionner, on peut l'envoyer, et j'espère qu'elles feront le tour du monde. On dit souvent, qui mieux qu'une femme peut parler d'une autre femme? Alors parlez-nous de Sarah Good, cette première femme qui a déposé le brevet. Qu'est-ce qui est marquant chez elle? Parlez-nous d'elle. Alors, ce qui est marquant, c'est que cette femme soit née en 1850 et elle était esclave. Donc ça déjà, c'est quand même assez fort de dire qu'une femme esclave, née esclave, puisse ensuite, un jour, déposer un brevet d'invention. Ça semble quand même un parcours extraordinaire. Hein. Donc elle est née en 1850 et en 1885, elle a déposé donc un brevet, le 14 juillet 1885, un brevet pour un meuble qui était un bureau se transformant en lit. Pourquoi elle a inventé ça? Parce qu'elle avait remarqué que dans les grandes villes, elle vivait à Chicago, que dans les grandes villes, les appartements étaient petits. Et ingénieuse, elle s'est dit, les appartements sont petits, il faut des meubles qui aient plusieurs fonctions. Donc quand on voit maintenant qu'il y a des chaînes de magasins qui créent des meubles, qui se transforment, qui ont plusieurs fonctions, eh bien, en 1885, ce qui semble quand même extraordinaire, en 1885, une femme avait pensé à ça. Et non seulement elle avait pensé à ça, mais elle avait dessiné les plans. Et donc, le brevet qu'elle a déposé aux États-Unis, il y a les plans de ce bureau qui se déplie et qui se transforme en lit. Donc, il y a l'ingéniosité, la créativité, le savoir-faire, la technique, puisque le plan, il y a des mesures, etc. Il y a eu énormément d'inventions faites par des Noirs aux États-Unis, parce que c'est eux qui faisaient tout le travail. Donc, il faut être ingénieux, se faciliter la vie, faciliter les travaux, que ces travaux soient moins difficiles, etc. Et c'est pour ça qu'il y a eu énormément d'inventions de Noirs américains. En plus, ce qui est marrant et ce qui est assez intéressant à vous dire, vous qui nous regardez, c'est que nous circulons en plein Paris, ça vous l'avez remarqué. Mais Jean-Philippe Omoutoundé, quand on circule dans Paris comme ça, on n'a pas conscience qu'en roulant dans Paris, en marchant dans Paris, dans les grandes villes du monde, qu'il y a énormément de choses qui ont été inventées par des Noirs. C'est quelque chose, même au fin, c'est quelquefois, c'est même un peu triste de voir ça, mais il faut que les gens prennent le temps de chercher, parce que au hasard, comme ça. Par exemple, là, on voit le feu tricolore. Vous voyez le feu tricolore qui est là? Le feu tricolore a été inventé par Gareth Morgan. Par exemple, aussi, Jimmy, il y a ça qui est très bien. C'est vraiment le genre de choses aussi intéressant. C'est dans toutes les écoles. Donc, c'est sur le mur de toutes les écoles aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez la ville, donc, et à l'intérieur de la ville, on a mis des petites pastilles, et chaque pastille représente une invention faite par une personne d'ascendance africaine, donc aux États-Unis. Donc le principe des enseignants, c'est de dire, voilà, vous faites le dessin de votre ville, par exemple aux Antilles, on fait Pointe-à-Pitre, on fait Basse-Terre, on fait vos habitants, Dehaye, et par exemple les élèves qui sont à Dehaye, ils ont la ville de Dehaye en bande dessinée, et avec les petites pastilles, il y a toutes les inventions faites par les Noirs, d'une façon générale. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y aura aussi des inventions faites par les Guadeloupéens qu'on va pouvoir mettre aussi sur le dessin. Mais à partir du moment où vous cachez tout ça aux jeunes et vous leur réservez uniquement une vision négative de leur passé et une vision aussi un peu pessimiste de ce qu'ils sont, ben, qu'est-ce qu'ils auront envie de faire? Ben, pas grand-chose de la vie. Les Noirs ont toujours inventé, et là, il faudrait qu'on parle un petit peu, justement, comme nous sommes au musée d'Appert, qu'on parle un petit peu de ce qui se passait dans l'Antiquité, où le Noir a beaucoup inventé déjà auparavant. Oui, c'est-à-dire, en fait, c'est quand même un sacré paradoxe, parce que quand on voit la façon dont l'histoire a été construite, depuis donc la période coloniale, on a une vision vraiment assez péjorative de l'Afrique sur le plan de la production intellectuelle. Et pourtant, il faut savoir que c'est totalement le contraire. C'est-à-dire que s'il y a un continent sur lequel il y a eu des inventions constantes, c'est bien l'Afrique. Et toute l'humanité aujourd'hui bénéficie des inventions qui ont été faites en Afrique.
Et vous voyez, il n'y a pas très longtemps, si je prends par exemple un article de presse donc, qui date de 2002, ici, en 2002, la grotte de Blombos en Afrique du Sud montrait que la révolution culturelle des Homo sapiens sapiens a eu lieu en Afrique 50 000 ans avant l'Europe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a une preuve tangible de la production intellectuelle, c'est-à-dire la naissance de l'intelligence humaine. On a des preuves concrètes qu'aujourd'hui, ça s'est fait en Afrique il y a 77 000 ans avant Jésus-Christ. Les plus grandes thèses scientifiques qui ont été soutenues en France, eh ben, Niccolo fait partie des plus grandes thèses scientifiques soutenues. Niccolo est dans la fission nucléaire, c'est-à-dire là, c'est au-delà de au-delà, c'est de la fission nucléaire, vous voyez. Donc, c'est le premier docteur S sciences de la Guadeloupe, et il est aussi ingénieur, parce qu'il est diplômé de l'école de radio électrique à l'école centrale de TSF, la Télévision sans frontières. Donc, on lui doit le bloc de canal pour la télévision, donc le bloc multicanal, c'est-à-dire quoi? Avant, quand on avait un téléviseur, on avait une seule chaîne. Lui, il a inventé un système qui permettait d'avoir toutes les chaînes avec le même téléviseur. Et c'est ça qui vous donne la télécommande aujourd'hui. On dit « je zappe ». Quand on dit « je zappe », non, c'est « je Niccolo ». Attention. Mais oui, c'est « je Niccolo ». Vous voyez Norbert Rilieu, par exemple, donc, qui est ici, là. C'est quelqu'un, c'est comme Alexandre Dumas, puisque son père était un Français blanc et sa mère était une femme noire, hein, donc une esclave africaine. Et comme on ne pouvait pas envoyer les Noirs à l'école, il l'a envoyé à Paris. Donc il a été, donc il s'est inscrit à l'école centrale de mathématiques, qui est la plus grande école de mathématiques en France. Hein. Il s'est inscrit à l'école centrale et il est devenu enseignant à l'école centrale et il a fini directeur de l'école centrale. Voyez. Et c'est quelqu'un qui est enterré au Père Lachaise. Hein. Les gens sont là, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont là. Voyez. Et on lui doit les sucres en morceaux, hein, le procédé de raffinage du sucre. Donc l'invention du sucre en morceaux, voilà son appareil, voyez, qui permet donc d'avoir aux gens donc d'avoir le sucre en morceaux. Et puis, il a aussi fait un appareil qui permet de sécuriser la fabrication du sucre, parce qu'en poussant la canne, ben, les gens, très souvent, se faisaient prendre les mains. Et Philippe Emeagwali, hein, à qui on doit Internet, à qui on doit quand même aussi l'amélioration, parce qu'il a 6 brevets en informatique. Hein, donc, c'est vraiment une sommité. Je tiens quand même à rappeler que sa femme a été reconnue comme l'une des plus grandes scientifiques américaines. La plus grande, elle a reçu le prix scientifique des États-Unis il n'y a pas très longtemps. En France, on parle de Philippe Emeagwali, souvent, et quand on cite les contemporains, on parle de lui. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un, je l'ai vu un peu sur un site français, sur Internet, mais dans les conférences et tout, on ne parle jamais de sa femme. Sa femme, c'est une Africaine-Américaine qui s'appelle Dell Emeagwali, et en 96, elle a été élue scientifique de l'année, en 1996. C'est quand même important. Donc, c'est une microbiologiste qui a fait énormément de travaux dans le domaine du cancer. Une femme comme ça, une femme noire qui peut être élue scientifique de l'année, c'est quand même quelque chose de remarquable. Ça peut apporter des modèles. Je pense qu'on a besoin de... Les jeunes ont besoin de modèles, ont besoin de personnages qui les inspirent et qui leur donnent envie de progresser. Parce que les modèles qu'on a actuellement, je trouve, c'est souvent dans le sport, dans la musique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses vraiment à faire pour la communauté. Il faudrait vraiment beaucoup plus de scientifiques. Cheikh Anta Diop disait qu'il fallait développer les matières scientifiques, faire des études scientifiques, etc. Je pense que ça, c'est absolument indispensable. Donc, faire connaître les savants et inventeurs noirs, je pense que ça peut apporter des modèles, parce que les jeunes, la plupart du temps, ils ne savent même pas qu'il y a des... Ils ne savent pas du tout qu'il y a des noirs qui ont apporté énormément à la communauté scientifique, qui ont apporté énormément au quotidien grâce aux inventions. Et ça, ça doit les inspirer. N'importe quel jeune qui regarde cette émission, ou un jeune de la communauté noire, ou quel qu'il soit, peut prendre exemple là-dessus. Puisque quand on voit que ces gens-là ont fait des inventions qui servent à tout le monde au jour d'aujourd'hui, alors qu'ils étaient en train de souffrir, ça veut dire que
on n'a plus le droit de se plaindre, quelque part. On n'a plus le droit de se plaindre. En 2005. Mais, attends, mais il faut que les gens comprennent, il faut comprendre une chose. Est-ce qu'on connaît un esclave dans la Rome antique qui a déposé un brevet? Ça n'existe pas. Un esclave dans la Grèce antique qui a déposé un brevet, ça n'existe pas. Mais il n'y a que les Noirs qui les mettent en esclavage, qui viennent encore déposer des brevets. Ce qui montre bien que c'est depuis l'Afrique ancienne, depuis l'Égypte ancienne, depuis Kush, depuis toutes ces civilisations, il y a une espèce de génie, un instinct créateur. Au niveau de l'Égypte, l'Égypte, c'est véritablement l'apothéose en termes de production scientifique en Afrique noire. Parce qu'on a l'invention donc des mathématiques, de la médecine, de l'astronomie, de la religion, du papier, donc de l'architecture monumentale. Donc toute une série d'inventions donc, qui vont vraiment éblouir les autres peuples, tels que les Grecs, qui vont parler des Africains en disant des dieux. Et donc faut voir quand même, l'hiéroglyphe, c'est l'écriture des dieux. Hein, même si le nom africain de cette écriture, c'est Meduneter, c'est d'ailleurs l'évangile, la parole divine. Et des gens comme Thalès, comme Pythagore sont venus en Afrique recevoir un enseignement. On a même le nom de leur professeur africain qui nous a été légué par Plutarque dans son traité d'Isis et d'Osiris. Et on sait quelle université qu'ils ont fréquenté, l'enseignement qu'ils ont reçu et ceux qu'ils ont ramenés en Europe par la suite. Je voulais juste rajouter une petite chose. J'ai amené ceci parce que, voilà, moi, on n'oublie pas que chez nous, les Noirs charbon, on les appelait les Vélosolex. Et je tiens quand même à le dire, mon cher Jimmy, parce que c'est important. Les Noirs charbon, c'était ceux qui voyaient un peu plus de misère que les autres quand même chez nous. Hein. Mm-hmm. Bon, eh ben, moi, je tiens à dire que ce sont ces individus-là, Noirs charbon, à qui ont droit tous les éléments de la civilisation. C'est quand même paradoxal. La civilisation égyptienne commence avec la construction des pyramides. C'est-à-dire, c'est comme qui dirait, la ville de Paris commence avec la construction de la Tour Eiffel. Mais d'où viennent les connaissances qui vous permettent de construire la Tour Eiffel tout de suite? C'est que vous aviez déjà une tradition scientifique, c'est pas possible. Eh bien, cette tradition scientifique qu'avait l'Égypte ancienne, ça vient du Soudan, c'est-à-dire là où les hommes sont tellement noirs qu'ils sont noirs charbon. Et ce sont ces gens-là qui ont, de l'aveu même des Égyptiens anciens, qui ont élaboré tous les éléments de la civilisation, c'est-à-dire qu'ils ont eu toute la production intellectuelle et l'Égypte a eu toute la production matérielle, c'est-à-dire tout ce qu'on voit, les grands temples et compagnie, ça a été pensé au Soudan et ça a été matérialisé. Et voilà pourquoi on retrouve aussi au Soudan, d'ailleurs il y a plus de pyramides au Soudan qu'il y a de pyramides en Égypte, et ça les gens ne le savent pas. Et véritablement, bon là, ils portent la couronne rouge du Nord, mais la couronne, vraiment la plus ancienne attestation de couronne, qui est la couronne blanche, elle vient du Sud. Et ce sont ces individus-là qui s'appelaient véritablement les Remetous, c'est-à-dire les hommes parfaits. Voilà pourquoi il ne se représente jamais debout de façon statique. Il a toujours la jambe en avant, qui est la jambe du côté du cœur, en avant. Parce qu'il considérait que quand Dieu a commencé à créer le monde, Dieu était en action. Donc lui, en tant que fils de Dieu, il ne peut pas rester là, ne rien faire, ce n'est pas possible. Donc il doit se mettre en action comme Dieu. Donc voilà pourquoi il se représente avec ses attributs, donc dans son côté majestueux, hein, et il est en action comme Dieu parce qu'il se considère comme étant le représentant de Dieu sur terre et un peu aussi le pasteur qui doit guider tout le peuple africain à l'époque, donc vers cette connaissance divine qui était la Maat. Je suis africain, mais je suis en fait passé la plus grande partie de ma vie ici. Et je crois pouvoir dire que pendant toute ma jeunesse et ma vie d'adulte, en fait, j'ai été un afro-pessimiste, avec une vision de l'Afrique très éloignée. Ce genre de cours, ce genre d'informations, c'est, je crois, ce qu'il y a de plus, les choses les plus importantes dans la vie d'un être humain. Parce que ça change, en fait, ça permet de faire évoluer, de transformer complètement le système de croyance. Et le système de croyance d'un individu, ça fait tout. Ce qui fait la différence entre les gens, c'est pas tant les difficultés rencontrées, tout le monde en rencontre, mais c'est véritablement la foi. La foi en ce qu'ils sont, la foi en l'avenir, et puis la foi d'appartenir, en fait, à un groupe humain. Et ça permet en fait d'avoir foi, foi en soi et foi en notre race. Le système de croyance, ça change tout. Je pense que si nous ne travaillons pas pour faire en sorte que notre situation s'améliore, c'est-à-dire qu'on soit respecté comme tous les hommes de la Terre,
Si nous ne travaillons pas pour ça nous-mêmes, ce n'est pas la peine de demander aux autres. C'est-à-dire que nous n'allons jamais s'en sortir avec la sueur et le travail des autres. Ça, c'est une chose très, très importante. Nous allons faire tous des enfants, j'imagine. Alors, si vous ne travaillez pas pour que la situation des Noirs actuels change, qu'elle soit meilleure, ce n'est pas la peine de faire des enfants, premièrement. Et deuxième chose, c'est pour lancer un petit appel à tous les jeunes Noirs, qu'ils soient africains, afro-caribéens, afro-américains, des jeunes Noirs, des jeunes filles et des jeunes gens, des jeunes garçons, à s'intéresser à tout ce qui est, à tout ce qui touche de près ou de loin à l'histoire des Noirs. Vous connaissez peut-être tous la phrase de Marcus Garvey qui disait que un être humain qui vit dans l'ignorance de son passé, de son histoire, des luttes de ses frères, de ses ancêtres, est comme un arbre sans ses racines. Un arbre sans racines, c'est un arbre sans vie. Sans vie, il n'existe plus rien. Alors mes frères, comme moi, aujourd'hui, c'est mon premier passage ici, c'est mon premier cours. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, je me sens renaître. Voilà, merci. Personne ne peut venir nous dire que c'est faux, parce qu'on a tous les brevets. Et je vous ai montré qu'une partie des brevets, parce que je vais vous dire une chose. Si, là, vous avez une liste de 140 brevets, mais les Noirs ont déposé, au moins, à mon avis, en bas mot, il y a près de 4000 brevets. Parce que quand vous prenez ce type-là, ce mec-là, il a déjà au moins 300 brevets. Quand vous prenez Washington Carver, là, il a au moins 400 brevets. Là, la Timur, là, mais attendez, c'est extraordinaire. Et chez Conta, qui a inventé le système qui permet de doser la mélanine dans la peau des bobines. Hein, chez Conta, c'est quand même lui qui est inventeur du système qui permet de doser la peau de la mélanine et qui a envoyé tout le monde au colloque du Caire. Il les a renvoyés à la case départ de la réflexion scientifique, chez Conta, avec son procédé qu'il a mis au point. Hein, il a travaillé avec le prix Nobel de physique quand même, quand il était étudiant. Hein, même chose pour Anna Just. Donc tous ces gens-là, là, c'est des gens qui possèdent mais des tonnes de brevets. Donc moi, je vous montre ce qui est plus médiatisé. Mais si vous faites vous-même vos recherches, vous allez être impressionné. Allez sur le site du gouvernement américain, vous allez voir vous-même. Je pense que si tous les jeunes savaient tout ce que les Noirs ont créé, ça leur permettrait de penser qu'ils sont capables de faire des tas de choses. Et on est capable de faire des tas de choses puisqu'on est partout. Les Noirs sont dans tous les domaines et sont souvent excellents. Mais c'est cette excellence qu'on ne connaît pas. Parce que justement, des découvertes, des travaux de scientifiques, des découvertes d'inventeurs, on ne les cite pas. Donc c'est à nous, communauté noire, d'en parler. Parce qu'aucune autre communauté n'a intérêt, puisqu'ils vont dire de toute façon, quelle que soit la couleur, c'est pas la peine de donner la couleur des savants et des inventeurs. Et que répondez-vous aux gens qui disent ça, justement ? Ce n'est pas la peine de donner la couleur des savants et des inventeurs si on cite les savants et les inventeurs, quelle que soit leur couleur. Et ce n'est pas le cas actuellement, puisqu'il n'y a aucun savant et inventeur noir cité dans quelque manuel que ce soit. C'est vrai qu'on a eu quand même quelques succès au niveau des médiathèques, au niveau des salles qui nous ont reçus avec beaucoup d'enfants. C'était vraiment un plaisir et on a eu des moments où on frissonnait. Mais on s'est dit que ça ne suffisait pas, il fallait quelque chose pour le grand public. Et c'est là qu'on a eu l'idée de créer ce calendrier. Le premier a vu le jour en 2002, il y a eu celui de 2003, celui de l'année dernière sur Toussaint l'ouverture. Et puis cette année, on va dire l'apothéose avec l'édition du calendrier 2005. Et on s'est dit que finalement, c'est un support. C'est un support pédagogique qui sert aussi bien les élèves, qui sert aussi bien les professeurs, qui sert aussi bien Monsieur Tout-le-Monde ou Madame le citoyen lambda. Et avec cela, ça permettait aux gens d'avoir quelque chose chez eux
qui leur permettait d'avoir un petit peu plus de connaissances sur ce qu'il a été fait dans notre communauté. Ce qui est bien, c'est qu'on parlait justement d'Ivan Voice, le président de l'association. Lui aussi, il a surpris, puisqu'il a été à contre-courant musical, on va dire, puisque là où tout le monde se baignait dans le zouk love ou dans le doudouisme et tout, lui, il n'a pas hésité de se servir de la musique traditionnelle, la musique du pays, du zouk, pour justement faire une chanson sous les inventeurs et savants noirs. Et ça, au début, ça a surpris. Ouais. Moi, je sais que j'ai vu des gens qui disaient « Bon, mais pourquoi elle fait ça ?» Et puis d'autres qui ont compris la démarche. Tu peux nous parler un petit peu de cette période C'est une période assez particulière, parce que ici en Guadeloupe, justement, ce disque a été peu diffusé, hein, pour ne pas dire pas diffusé. Et on a été un petit peu surpris, justement, de voir qu'un disque qui traitait un petit peu de la question de notre communauté et de ses inventeurs, d'ailleurs, le titre de l'album « On nous doit de la vérité » et parler de lui-même. Mm-hmm. Et le clip qu'on a fait dessus, avec les photos d'inventeurs, avec des images de personnalités illustres de ce monde, mais de la diaspora, en fait, permettrait justement à tout un chacun de comprendre qu'il y a aussi notre communauté qui fait des choses. Et ça, c'est important, parce qu'on a des modèles qui sont vivants. On a parlé énormément de modèles qui sont morts et décédés, comme Malcolm X, Martin Luther King, Granville Wood, George Washington Carver, et j'en passe. Mais on a également ceux qui sont encore vivants et qui font ce travail extraordinaire. Et ça, je pense que c'est quelque chose, c'est une chance que nous devons saisir. Profitons pendant qu'ils sont encore vivants pour les mettre à l'honneur. N'attendons pas qu'ils soient morts pour les honorer avec une statue qui serait là, avec une stèle, quelque chose. Vous voyez, c'est bien, mais c'est quelque chose qui est au passé, puisqu'il est mort. Tandis que lorsqu'il est encore vivant, il peut apporter un enseignement, il peut susciter des vocations, il peut pousser des jeunes à avoir envie de suivre cette voie, parce qu'on en a besoin dans notre communauté. Il nous en faut de toute façon. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui seraient sceptiques, encore une fois, quand on a ce discours, et je parle des gens de toute communauté, parce que même dans la communauté noire, il y a des gens qui ont ce discours du style « Ouais, mais pourquoi devoir parler des inventeurs noirs? Pourquoi parler des hommes noirs? Ça, c'est du racisme, c'est de la discrimination. » Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je dis que nous vivons dans un monde fait d'inégalités, hein, d'inégalités de tous bords, de toutes souches, de toutes couches. L'inégalité sociale, on a les riches, les pauvres. On a l'inégalité également des puissances économiques qui sont là et des puissances émergentes et des puissances qui sont en voie de développement. On a l'inégalité également des communautés qui sont certaines plus avantagées que d'autres en termes d'aura médiatique. On voit par exemple dans le journal télévisé qu'on va parler plus d'une communauté, sans vouloir citer qui trompe, et qu'une autre. Alors on se dit non, il faut rétablir les choses. Le monde doit être fait, c'est peut-être une utopie pour nous, un rêve qu'on caresse, mais je me dis que le monde doit être fait de choses égales. Si ce sont nos ancêtres qui se sont battus pour la liberté, pour l'égalité, si nous vivons dans un pays qui se dit être pays de liberté, d'égalité et de fraternité, alors il n'y a pas d'inconvénient à mettre en valeur ces personnalités aussi, puisque cela fait partie justement de ce rééquilibrage que nous faisons, parce que nos aînés ont pour certains fait le travail, hein, les chantres de la négritude, comme Aimé Césaire, Guy Tyrolien, Damas et autres, Saint-Gore, mais il faut qu'il y ait aussi ce lien qui soit fait aussi par nous, par des plus jeunes, par nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, parce que ce n'est pas un travail qui va aboutir en 5-10 ans, ça c'est sûr. Mais cependant, chacun porte sa pierre à l'édifice et chacun permet, si tu veux, d'une génération à une autre, eh bien, de rééquilibrer les choses, de réajuster les choses. Tu vois maintenant, à la télévision française, tu commences à voir les choses se colorer quelque peu et c'est quelque chose de bien. Il faut continuer dans ce sens pour qu'à un moment ou un autre, ces choses-là disparaissent. Qu'on arrête de dire, nègre, blanc, indien, chinois, qu'on dise homme, point barre. Comme ça, il n'y aura pas de première animatrice à présenter, noire à présenter le journal télé. Tout à fait, ce sera quelque chose d'acquis, comme aux États-Unis d'ailleurs. Voilà, on n'aura plus à parler d'inventeurs et de savants noirs, mais d'inventeurs et de savants tout court. Voilà, c'est vrai. On peut conclure comme ça? Bien sûr, mon frère. Respect, mon frère. Ouais, ça va, il est pas avec toi, Ivan? Non, il est à la bibliothèque, il est en train de faire des recherches sur les inventeurs et savants noirs. Des savants noirs? Ouais, des savants noirs, c'est ce qu'il m'a dit, des inventeurs noirs. J'ai jamais entendu parler de savants noirs. Ben, moi non plus, si on avait, ça serait de toute manière. Ouais, c'est ça. Ouais. Thank you.
ça qui a contrôlé l'histoire des maîtres. Tout est dans nous. Prends l'eau, parole, menti et plus qui ça. Pays qui développé. Qu'a fait passer message qu'un aigle. Pas j'ai inventé ailleurs. À présent, faut nous prendre conscience des valeurs en nous. L'Europe qu'a vénéré Mozart, Robespierre et les frères Lumière, mais qui monde qui en aurait mis si la timère. Et inventé l'ampoule. L'humanité. Monde entier, lumière, qui Gareth Morgan, qui Frédéric Jones, qui m'a délégué. Oui, tout ça c'est nègre. Si l'humanité vient évoluer, pas j'ai oublié. Oui, c'est grâce à nègre. Ni on l'autre comme ça. Nègre qui t'es fait l'histoire. Mais l'histoire est facile. Assis dans l'école, c'était Napoléon. Gaulois et puis Colombe, nous toujours capotés. On nous doit la vérité. Mrs. Walker, ici Maotoko, ici Mokibangu. Yo mérité. Quand ça les pitiqués savaient, ni n'a quitté aider.